Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la bêta fermée de Dragon Ball Xenoverse 2. Alors les vidéos que je vais vous proposer sur cette bêta, ce sera une série de courtes vidéos, alors un peu qui vont essayer de vous présenter un petit peu le jeu en long, en large, mais en essayant de ne pas vous spoiler, je ne vous montrerai rien lié à l'intrigue, rien sur l'histoire, tout ça. Ce sera des petites vidéos de présentation, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça va me plaire de vous proposer cela. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo de la soirée, je vous propose une vidéo tout simplement sur le début, sur la création du personnage, pour voir que nous propose Dragon Ball Xenoverse 2 en termes de création de personnages. Donc on a toujours 5 races les amis, donc les Majin, les Saiyajin, les humains, les Namek et la race des Freezer, des démons du froid, comme vous voulez l'appeler. Moi je vais l'appeler race des Freezer. Alors, pas grande différence, c'était quelque chose que j'attendais vraiment au tournant, on va dire, cette création de personnage. J'étais curieux de savoir s'il y allait avoir des statistiques ou non. Sachez que les statistiques sont exactement les mêmes que Dragon Ball Xenoverse 1. Alors moi je serais pas trop perdu du coup pour vous proposer des builds puisque on repose exactement sur la même chose. Donc encore une fois le terrien m'apparaît comme la race certainement encore une fois la plus OP du jeu. Alors après j'attends de voir avec le Saiyajin qui cette fois-ci n'aura pas son gros défaut de Super Saiyajin, mais il semblerait qu'il ait le même problème que dans le premier Xenoverse. Alors après je ne m'emballe pas trop, il faudra vraiment voir manette en main avec le gameplay et le level, mais sur le papier le Saiyajin a toujours son gros malus de santé avec un bonus sur les buffs et un bonus super frappe pour le mâle et un bonus super kikoa pour la femelle. Donc exactement la même chose. Tant l'humain, donc le terrien, lui, est équilibré de base. Sachant que l'homme a un bonus sur le corps à corps, le CAC, alors entendez par là l'attaque de base les amis, et la femme a un bonus sur le Kikoa et la régène de Ki, donc comme dans le premier, donc encore une fois une race vraiment bien équilibrée. Après je ne sais pas encore si la corpulence aura un impact sur vos statistiques ou non. Je pense que oui, on verra vraiment si ça a un gros impact ou pas. Ça c'était quelque chose que j'aurais espéré peut-être voir enlever, parce que par moment c'est vrai qu'on aurait aimé faire des personnages plutôt fins sans perdre le petit bonus forcément de corps à corps. Donc on verra, je pense que c'est la même chose. Donc après au niveau du choix des coiffures, tout ça, alors on retrouve essentiellement beaucoup de coiffures qui étaient présentes par exemple sur l'humain ou Saiyajin dans le premier opus, donc à peu près les 12 premières, et ils en ont rajouté un peu plus d'une dizaine. Vous en avez 25 de chaque, sachant que il me semble que les 12 premières étaient déjà présentes dans le premier opus. Idem pour la femme Saiyajin qui a elle encore un peu plus de coiffures puisqu'elle va en avoir à peu près 35. Donc ils ont rajouté énormément de coiffures à la Saiyajin femelle et à l'humaine. Ils ont rajouté plus d'une vingtaine de coiffures, donc c'est plutôt sympa. Donc après, il y a des coiffures vraiment sympas. J'ai pu voir, on retrouve tout de suite, on voit que c'est des coiffures inspirées de personnages de l'univers du jeu. On peut retrouver pas mal de coiffures liées à Bulma, mais j'ai trouvé vraiment super sympa de rajouter par exemple les coiffures de la Kaioshin qu'on peut voir dans l'animé de Dragon Ball Z par exemple. Donc je trouve ça sympa qu'on nous propose ce genre de coupe de cheveux pour un personnage féminin. Ensuite pour ce qui est du Freezer, pareil, on nous rajoute une dizaine de formes de visages différentes avec des cornes vraiment très différentes les unes des autres. Idem pour le Namek, que là on va retrouver avec un peu plus de type d'antenne, de corne. Bon, il y a des trucs qui font vraiment toujours aussi bizarres, j'ai envie de dire. Le Namek est certainement l'un des persos qui a le moins de choix. Il en a une vingtaine, je crois, il me semble. Donc, ils ont rajouté un peu de ça. Alors, après, ma petite déception, c'est qu'en termes de couleur, donc que ce soit la peau, tout ça, ou même le corps,
Donc vous avez le même panel de couleurs, donc qui était assez conséquent dans le premier opus. Hein. Donc ça ne change pas et ça fait plaisir. Non, par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'espérais que par exemple sur le physique du personnage, on peut jouer un petit peu sur un peu plus de couleurs, de choix de couleurs sur le personnage, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, hein. Y a clairement le même choix de couleur en fait pour une tenue ou quoi, il n'y a pas plus de couleurs sur la tenue. Et le même choix, pareil, au niveau du visage, tout ça, c'est en fait c'est juste la peau, les yeux et les cheveux, sourcils. Donc c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir un peu plus de possibilités de ce côté-là. J'aurais espéré quelque chose d'un petit peu plus conséquent de ce côté-là. Non, c'est exactement comme le premier. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on a un peu plus de choix, mais qu'au final, ça ressemble bien vraiment énormément au premier. Hein. C'est voilà, ils ont rajouté des choix, des coiffures, ce genre de choses, des apparences, mais ça reste essentiellement la même chose, les mêmes statistiques. Donc si vous ne connaissez pas les stats de Xeno 1 et que vous l'avez, allez regarder. Voilà, c'est les mêmes passifs, on va dire. Donc qui était quand même assez important hein, dans le premier Xenoverse, surtout si vous vouliez jouer un petit peu compétitif. Nul doute qu'ici ça le sera aussi. Donc voilà, réfléchissez bien quand vous allez choisir le jeu, et bien quel style de gameplay vous préférez jouer, et bien sûr votre race préférée. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte, mais réfléchissez quand même, voilà, un peu vers quel style de gameplay vous allez vous diriger hein, si vous voulez un gameplay et bien peut-être un peu tanky, ce genre de choses, très résistant, beaucoup de santé. Dans ce cas-là, le Namek sera le choix idéal. Il a beaucoup de régène, beaucoup de santé, tout comme dans le premier. Après, il faudra voir au niveau du gameplay s'il est plus agréable à jouer que le Namek du premier. Si vous voulez jouer sur la vitesse, des coups rapides au corps à corps ou même à distance, et bien la race des Freezer, elle sera pas mal. Après, si vous cherchez un personnage équilibré, ce sera l'humain. Si vous cherchez quelque chose de plus axé super frappe, donc les attaques spéciales au corps à corps, ce sera le Saiyajin mâle. Et si vous cherchez quelque chose de plus axé super Kikoa, ce sera l'humaine femelle ou la Saiyajin femelle qui se valent, à part que la Saiyajin femelle a vraiment encore un petit peu moins de santé, mais elle aura les buffs des super Saiyajin. Donc voilà, alors moi pour ma part, pour la bêta, je suis parti pour un humain, tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a très peu vu actuellement, et je suis très curieux de tester la nouvelle transformation des humains. Bien entendu, je compte tester toutes les races et vous montrer un maximum de choses sur le jeu. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur la présentation du menu de création vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu les amis, à très très vite sur la chaîne, donc restez bien connectés, j'ai envie de dire, puisque je vais essayer d'enchaîner les vidéos assez rapidement pour vous présenter un maximum de choses pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la bêta, tout en essayant de ne pas vous spoiler, surtout je n'essaierai de ne pas vous spoiler l'intrigue. Allez les amis, à la prochaine, tchuss.